À l'église Le Portail en ligne. Si tu es nouveau, laisse-moi juste te présenter l'église euh, dont tu vas écouter la réunion aujourd'hui. Euh, l'église Le Portail, c'est une église de quatre sites, donc Laval, Terrebonne, Saint-Eustache et Abitibi. Et on aura un cinquième dès Pâques 2023 Montréal-Nord. Sa mission, c'est vraiment d'aider chaque personne à découvrir que tout a toujours rapport avec Jésus. Pour ça, le portail offre chaque semaine un service clic pour les enfants de 0 à 12 ans, pour chaque site et chaque réunion grâce à des bénévoles incroyables. Euh, les ados et les jeunes adultes ont aussi leur réunion juste pour eux, tous les vendredis soirs à 19h30, ici à Laval. Toutes les infos sont sur leur page euh, Facebook. On a aussi des petits groupes qui se réunissent pour partager la parole de Dieu, pour prier ensemble. Si ça vous intéresse, vous pouvez écrire à petitgroupe at euh, Si tu as des questions, dans tous les cas, euh, toutes les informations sont sur euh, notre site internet égliseleportail.com ou sur notre page Facebook. Sinon, au portail, on aime particulièrement partager la bonne nouvelle de Jésus. Alors, sans plus tarder, écoutons cette bonne nouvelle pour aujourd'hui. Donc, bonjour, Portail. Toujours un plaisir pour moi d'avoir l'honneur par euh, le, le truchement d'Internet de, de m'adresser à plusieurs personnes, que ce soit des, des gens qui ne peuvent pas être euh, parmi nous avec la Grande Assemblée, euh, ou des visiteurs virtuels, ou encore des fidèles au message du Portail qui nous, viennent, qui nous suivent de loin. Euh, je suis honoré euh, d'apporter la parole aujourd'hui. Et je m'insère dans notre thématique qui porte le nom Perspective, une thématique tirée du livre de Job. Et aujourd'hui, on va faire un survol du chapitre 38 à 40 du livre de Job. Donc, je vais lire des, des portions de ce passage au début de mon message. Et le titre de mon message est Dans ta souffrance, Dieu est souverain. Donc, comme je l'ai mentionné, notre texte à l'étude s'insère vers la fin. Euh, du livre de Job. Et à ce point-ci, euh, les amis de Job se sont exprimés sur sa euh, souffrance. Hein. À tour de rôle, ils ont parlé. Et maintenant que, maintenant que tous ont parlé, euh, maintenant que la sagesse humaine est épuisée, que nous sommes au bout de nos réflexions humaines, c'est ici euh, que s'introduit notre passage, le chapitre 38. Et dans ce chapitre, cette fois-ci, ce n'est pas un nouvel ami, ce n'est pas une, une nouvelle théorie ou réflexion sur le sujet de la souffrance ou la rétribution. Ce n'est pas, pas un homme qui élabore une théologie de la souffrance ici, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Et les chapitres qu'on va voir ce soir sont ce que plusieurs théologiens s'entendent pour dire, là, qui sont le point culminant du livre. Hein? Ces chapitres constituent, je vous dirais, une magnifique résolution là, du livre et, et du problème de Job. Tout au long du livre, Job désirait que Dieu parle et, et les autres ont, ont essayé de représenter l'opinion de, de Dieu sur le cas de Job, mais finalement, c'est Dieu qui prend la parole. Dieu prend la parole et offre une réponse au questionnement. Et on va vite réaliser... Que ce n'est pas nécessairement la réponse à laquelle s'attendait Job, mais c'était la réponse qu'il avait besoin. Hein? Donc, on voit Job là donner une, une brève réponse remplie d'humilité, et par la suite, Dieu va reprendre la parole avec un deuxième discours. Donc, voici un peu la structure de notre passage. Hein? Dieu prend finalement la parole. Il, il, il offre une réponse, ensuite Job répond brièvement et Dieu reprend la parole avec un deuxième discours. Mais aujourd'hui, on va s'attarder sur le premier discours de Dieu et la courte réponse de Job. Donc, prenez vos Bibles et tournez avec moi Job 38. Je débute la lecture et je vais, je vais lire quelques portions. Alors du sein de la tempête, l'Éternel répondit à Job, Qui donc obscurcit mes desseins par des discours sans connaissance Mais mets ta ceinture comme un brave, je vais te poser des questions et tu m'enseigneras. Où étais-tu quand je posais les fondations du monde Déclare-le puisque ta science est si profonde. Qui en a fixé les mesures Le sais-tu donc qui a tendu sur lui le cordeau d'arpenteur Dans quoi les socles de ses colonnes s'enfoncent-ils Qui en posa la pierre principale d'angle quand les étoiles du matin éclataient unanimes dans des chants d'allégresse et que tous les anges de Dieu poussaient des cris de joie qui enferma la mer par une porte à deux battants lorsqu'elle jaillit du sein maternel, lorsque je fis de la nuit son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposais ma loi, quand je plaçais verrou et porte en lui, dis en lui disant C'est jusqu'ici que tu iras et pas plus loin, ici s'arrêteront tes flots impétueux. As-tu un seul jour de ta vie commandé au matin et assigné sa place à l'aube, pour qu'elle se saisisse des extrémités de la terre et qu'elle en secoue les méchants es-tu parvenu jusqu'aux sources qui font jaillir les mers Ou t'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme Les portes de la mer ont-elles paru devant toi As-tu vu les accès du royaume des épaisses ténèbres As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre Dis-le si tu sais tout ça. De quel côté est le chemin vers le séjour de la lumière et les ténèbres? Où donc ont-elles leur demeure pour que tu puisses les saisir là où elles se séparent et bien comprendre les sentiers de leur habitation? Tu dois connaître tout cela puisque tu étais déjà né et que tes jours sont si nombreux. Par quelle voie se répand la lumière Par où le vent d'Orient envahit-il la terre Qui ouvre le passage pour les torrents de pluie Qui a frayé la voie aux éclairs de l'orage tonitruant faisant tomber la pluie sur une terre inhabitée, sur un désert inoccupé, pour arroser les solitudes et les régions arides et pour y faire germer l'herbe La pluie a-t-elle un père et qui donc a fait naître les gouttes de rosée? De quel sein sort la glace qui a donné naissance au blanc frimas du ciel lorsque les eaux durcissent pour devenir comme la pierre et que se fige la surface des lacs profonds? Fais-tu paraître les constellations en leur temps? Conduis-tu la grande ours et ses étoiles secondaires? Sais-tu par quelle loi le ciel est gouverné? Est-ce toi qui imposes son pouvoir sur la terre? Te suffit-il de parler aux nuages pour que des trombes d'eau se déversent sur toi? Les éclairs partent-ils à ton commandement, te disant Nous voici? Qui a implanté la sagesse au cœur de l'homme et le discernement en son esprit? Peux-tu chasser la proie pour la lionne? Apaises-tu la faim des lionceaux? Quand ils sont tout tapis au fond de leur tanière, quand ils sont à l'affût dans les taillis épais, qui donc prépare au corbeau sa pâture quand ces oisillons se crient vers Dieu et sont errants sans nourriture? Et as-tu observé les biches en travail? As-tu compté combien de mois durent leur gestation et connais-tu l'époque où elles mettent bas, quand elles s'accroupissent, déposent leurs petits et sont délivrées des douleurs? Serait-ce toi qui donne la puissance au cheval ou est-ce toi qui pars son cou d'une crinière ou, ou, ou le fais-tu bondir comme la sauterelle? Serait-ce grâce à ton intelligence que l'épervier prend son essor et qu'il déploie ses ailes en direction du sud? Serait-ce à ton commandement que l'aigle monte dans les airs et qu'il bâtit son nid sur les sommets? Job donne une courte réponse qui débute au chapitre 40, qui va comme suit. L'Éternel demanda alors à Job, celui qui intente un procès au Tout-Puissant a-t-il à critiquer Celui qui conteste avec Dieu a-t-il quelque chose à répondre Job répondit alors à l'Éternel, je suis trop peu de choses, que te répliquerai-je Je mets donc la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. Et j'ai même insisté une deuxième fois, je n'ajouterai rien. Je n'ajouterai rien. Alors on peut ressortir du passage que je viens de lire plusieurs choses. Et on pourrait en discuter longtemps. Hein. Mais une chose qui est claire, un thème qui résume bien ce que Dieu avance dans sa réponse à Job, c'est qu'il est souverain. Hein. Dieu est souverain. Donc, euh, premièrement, euh, au-delà de, de, de ce que je pense de la souveraineté de Dieu, au-delà de ce que ce qu'un homme et des gens peuvent dire de la souveraineté de Dieu, regardons euh, ce que la Parole de Dieu dit d'elle-même hein, de la souveraineté de Dieu. Je ne pense pas qu'on peut trouver une meilleure réponse là que une meilleure définition que ce que Job dit dans Job 42:2 lorsqu'il dit euh, :« Je reconnais que tu peux euh, tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Hum. » Daniel 4:35 nous dira. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des, des cieux et les habitants de la terre. Il n'y a personne qui a sa main et qui lui dise, que fais-tu Alors voici une définition euh, de la souveraineté de Dieu que le pasteur Paul Tripp apporte. Euh, qui va comme suit, de toute éternité, Dieu, par le sage et saint conseil de sa propre volonté, a librement et immuablement ordonné tout ce qui doit arriver. Cependant, Dieu n'est pas l'auteur du péché, il ne viole pas la volonté de ses créatures. Lorsqu'on regarde à ce que la Bible révèle, sur la, sur la personne de Dieu, sur son, sur son caractère. On, on, on y voit là ce que les théologiens appellent les attributs de Dieu ou encore les perfections de Dieu. La Bible nous dit, nous parle du fait que Dieu est infini. C'est le, le psalmiste qui va dire au Psaume 145, le Seigneur est, est grand et est digne de toute louange, sa grandeur est insondable. La, la, la Bible va, va aussi nous dire, par exemple, que, que, que Dieu est immuable. Hein? C'est le théologien Hermène Bavin qui va dire, Toute créature est en perpétuel devenir, elle est changeante, elle cherche constamment le repos et la satisfaction, et elle trouve ce repos en Dieu, en lui seul, car lui seul est pur être et non devenir. C'est pourquoi dans les Écritures, Dieu est souvent appelé le rocher. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il est immuable, il ne change pas. Comme il ne change pas, il est digne de confiance. La Bible nous informe, nous apprend aussi que Dieu est éternel. C'est le pasteur John MacArthur qui va dire l'existence de Dieu se situe en dehors des limites du temps. En effet, puisque Dieu a commencé le commencement par son initiative créatrice, il a créé le temps et maintient par son pouvoir sa totalité et chacun de ses moments. Et écoutez bien là, Dieu est pleinement présent à chaque moment du temps. Il connaît la totalité et la succession des moments, mais Dieu n'est jamais soumis au temps. Il l'utilise comme un serviteur pour révéler ses perfections. Dans son essence, Dieu existe dans un présent éternel. Il est toujours avec le premier du temps et avec le dernier du temps. Oui, la Bible révèle que Dieu est infini, il est immuable, Dieu est éternel. Et je pourrais passer euh, plus de temps sur les attributs euh, de Dieu, vous montrer comment il est euh, omniprésent, omnipuissant et j'en passe. Mais, mais, la raison pour laquelle j'ai pris euh, quelque temps là à vous parler de certaines choses qui caractérisent Dieu, euh, c'est pour vous montrer que euh, pour que vous puissiez mieux apprécier là, le fait que tous ces attributs là, ok, ces caractéristiques de Dieu, toutes ces perfections atteste que Dieu est, à juste titre, celui qui a toute autorité, celui qui est souverain. Parce qu'il est tout puissant et autosuffisant, parce qu'il connaît toutes choses, il n'existe pas meilleur être. Il n'y a personne de mieux placé que lui pour être sur le trône des trônes, pour être souverain. Dieu a le contrôle absolu de son monde. Et de tout ce qui s'y passe. Hein? Sans aucune lacune, sans aucune limite ou interférence à sa domination. Hein? Ça, ça veut dire là, que Dieu ne se pose jamais de questions. Ça, ça veut dire que, euh, que Dieu n'est jamais surpris. Il n'est jamais frustré, là. il s'interroge pas, euh, rien n'est un mystère euh, pour lui, il regarde jamais en arrière avec, avec regret, il espère jamais, il attend jamais, il se sent jamais impuissant, euh, il n'y a rien qui ne puisse pas comprendre, il se trouve jamais désemparé. Personne ne peut acculer Dieu au pied du mur. Personne ne peut le coincer. Il n'est jamais pressé de faire quelque chose. Il n'existe pas une autorité au-dessus de lui, quelqu'un à qui il doit répondre. Dieu fait ce qu'il veut, il décide ce qu'il veut, il agit comme il veut, quand il veut. Dire que Dieu est souverain, c'est simplement de dire que Dieu est Dieu et qu'il n'y a personne d'autre comme lui. Tout. Mais absolument tout. Et là, on peut parler du changement des saisons, euh, le jour et la nuit, de la petite enfance jusqu'à la vieillesse, de l'étendue des océans, du nombre d'étoiles et du nombre de cheveux sur ta tête. Tout est le résultat de sa souveraineté. Mais maintenant, si on est franc, ok, ok, Dieu est souverain, mais pour vrai là, parfois, euh, il me semble que nous, à sa place, on aurait fait les choses, on aurait fait certaines choses différemment. Hein? La sagesse de Dieu ne nous semble pas toujours sage, c'est ironique à dire. Ce qui paraît le mieux à nos yeux n'est pas toujours ce qu'il a ordonné pour nous. Mais la, la réalité, c'est qu'il y, y a des choses qui semblent parfois tellement hors de contrôle, mais la réalité, c'est que ces choses sont en vérité sous son regard et son contrôle attentif et constant. Donc comprendre qu'on vit dans un monde qui est soumis au regard et à la main inébranlable et immuable de Dieu, ça, ça devrait changer ce qu'on pense de nous et, et, et de notre monde et de la vie en soi. Quand on parle euh, de la souveraineté de Dieu, on peut aussi dire que Dieu là, ne se contente pas de, de, de décréter ce qui va se passer pour ensuite euh, rester assis euh, passivement au-dessus de son monde. Hein? Dieu est un participant actif dans son monde. Il gouverne, il soutient, il agit, il contrôle. Dieu ne se contente pas de, de décréter ce qui va arriver, mais il dirige. Act Activement, le processus par lequel euh, les choses vont arriver, Dieu est en contact permanent avec ce qu'il a créé. Il n'a pas mis le monde en mouvement pour ensuite s'en aller. Non, le mouvement, ce qui se passe dans l'univers, c'est le résultat de son contrôle actif et de soutien et de gouvernance. Il gouverne les choses les plus, les plus importantes de l'univers jusqu'aux choses les plus petites. Et, et, et c'est ce qu'on a pu voir dans notre texte là qu'on a lu, le, le chapitre 38 qui va dire euh, au verset 24 « Par quelle voie se répand la lumière Par où le vent d'Orient envahit-il la terre Qui ouvre le passage pour les torrents de pluie Qui a frayé euh, la voix aux éclairs de l'orage ?» On, on voit que, que Dieu gouverne des éléments euh, grandioses lorsqu'il dit « Te suffit-il de parler aux nuages pour que des trombes d'eau se déversent sur toi Les éclairs partent-ils à ton commandement, te disant « Nous voici » Et, et on, voit, on le voit gouverner sur des plus petites choses lorsqu'il dit qui donc prépare au corbeau sa pâture quand ses oisillons crient vers Dieu et sont errants sans nourriture. Donc on voit Dieu gouverne, gouverne les choses les plus importantes de l'univers jusqu'aux plus petites choses qui passent inaperçues à nos yeux. Dieu, Dieu gouverne. Dieu est souverain sur, sur la nature, sur les animaux, sur les nations, sur ceux qui gouvernent. Dieu, n'a euh, pas demandé la permission au pharaon pour délivrer son peuple d'Israël, euh, son peuple d'Égypte, pardon. Un proverbe euh, 21 nous dit le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'incline partout où il veut, il contrôle le cœur des rois et les forces de ce monde. Les vents et les mers sont en son pouvoir. Il dit la chose existe. C'est moi vous euh, partager une statistique intéressante, ok Cha chaque, année, euh, chaque année, plus de 13 millions d'oiseaux meurent aux États-Unis. Oui, j'admets, c'est un peu glauque comme statistique. Euh, ça veut dire que euh, euh, plus de 37 000 oiseaux meurent chaque jour. Et ça, euh, juste chez nos voisins du Sud. Et pourtant, Jésus nous dit en Matthieu 10, 29, qu'il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Hein? Dieu est souverain sur absolument tout, là. Et, et, et dans ce verset que je viens de, de, de citer, on apprend quelque chose d'autre, là, de profond sur la souveraineté de Dieu. Et je veux souligner ça. Sans un regard attentif, là, ça pourrait passer inaperçu. On pourrait manquer cette vérité. Jésus nous dit sans la volonté de votre père. Et c'est bon, ça, c'est réconfortant. Jésus décrit là celui qui est souverain comme étant notre père. Donc, il y a pas question là d'un Dieu lointain et impersonnel, hein? celui, celui, qui a autorité là, sur toutes choses, qui veille sur sur les astres et, et la nourriture des petits animaux, c'est lui. Mon. Mon, mon père, donc c'est pas n'importe quel père que j'ai. Mon, mon papa m'aime. c'est notre père qui gouverne, c'est notre père qui est souverain. et je sais que mon père m'aime et qu'il fait ce qui est mieux pour moi même quand je ne suis pas capable de comprendre pourquoi certaines choses m'arrivent. quand je ne suis pas capable de comprendre pourquoi il dit que certaines choses sont bonnes pour moi. peu importe ce qui m'arrive, parce que je sais que celui qui gouverne, c'est mon Père, qui m'aime, qui prend soin de moi. C'est pour cette raison que je peux me joindre à Paul quand il dit J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Le, le, le premier verset de, de notre passage, Job 38, verset 1 nous mentionne. Alors, du sein de la tempête, l'Éternel répondit à Job, du milieu de la tempête. Hein, et, et oui, en effet, une chose qui est claire, c'est que euh, Job est vraiment euh, dans une tempête. Hein. Euh, et, et, et le réconfort des amis euh, de Job euh, a une limite. Euh, mais maintenant, Dieu intervient, et quand il intervient, la, la réponse qu'il offre, il démontre qu'il est souverain. Dieu est souverain. Mais maintenant, encore une fois, si on est franc, là, si nous, on était souverain, on ne choisirait pas la souffrance. Là. Hein? Une, vie, une vie sans souffrance, c'est ça qu'on voudrait. Mais la réalité, c'est qu'on n'est pas souverain. Dieu, c'est seulement Dieu qui, qui est souverain. Si c'était nous, là, bien, il n'y en aurait pas de tempête comme Job, là, ben non, il en aurait pas, Dieu n'aurait pas besoin de se présenter au milieu de notre tempête parce qu'on les aurait irradiés de notre vie, les tempêtes. Et, et la réalité, par contre, c'est que, ben, on a des tempêtes, on a eu des tempêtes et on aura des tempêtes. Hein. J'ai été euh, particulièrement présent au chevet de mon père euh, juste avant sa mort, en avril euh, 2021, et puis j'ai pu voir euh, en, en partie. Ce que, ce que la souffrance physique pouvait faire. Euh, la souffrance physique euh, elle expose euh, notre illusion d'autonomie et d'autosuffisance là. J'ai vu mon père vivre euh, sur du temps emprunté à la, aux traitements médicaux et euh, ouais, la, la, la souffrance physique a, a sa façon bien à elle là, de nous rappeler euh, nos limitations et nous amène à comprendre là, que notre vie euh, est entre les mains d'une autre personne que soi. En réalité, on est tellement petit et, et dépendant. Hein? Le petit pouvoir qu'on pense euh, qu'on a, là, ça peut nous être retiré en un instant. Notre, notre folie d'indépendance peut être exposée rapidement, très rapidement, par la souffrance. La, la, la souffrance a, a, a le pouvoir euh, d'exposer ce en quoi on met notre confiance. Hein? Donc, si on perd la carte, là, si on perd tout, tout, tout espoir, là, tout, tout espoir, si on perd tout espoir quand notre corps commence à montrer des signes de défaillance, peut-être, peut-être que tout notre espoir n'était pas en Jésus finalement. Vous savez, la, la, la souffrance, ce n'est pas un concept abstrait. Hein? La souffrance, ce n'est pas, pas une théorie, ce n'est pas impersonnel. Quand, quand mes douleurs au dos m'ont cloué au lit, ce n'était pas un, un, un concept abstrait. Hein? Je n'ai pas été longtemps à Alité, mais suffisamment pour savoir que la douleur, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. La, la, la souffrance, elle est, elle est réelle, elle est, elle est tangible. La souffrance, c'est quelque chose de, de personnel et elle, elle est spécifique. Et je suis reconnaissant là, du fait que la, 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 la Bible ne, ne présente jamais là, la souffrance comme étant une simple idée ou, ou un concept. Et en réalité, là, la Bible peut être tellement, mais tellement honnête sur l'expérience de la souffrance humaine que... C'est tellement vrai que par moments, c'est tellement euh, brutalement honnête que, que j'imagine que si Netflix en faisait une série, euh, peut-être que tu ne la regarderais pas parce que tant qu'elle serait troublante, cette série. Les, les saintes écritures ne se moquent jamais de la souffrance. Ne se moquent jamais de celui qui, qui souffre. La, la Bible présente ce Dieu souverain euh, qui est compatissant et qui, et qui comprend qui nous invite à venir à lui pour de l'aide, et, et, et ce même Dieu qui est souverain nous promet qu'un jour, il va mettre fin à toute forme de, de souffrance. Donc oui, la, la Bible est brutalement honnête sur la souffrance, mais en même temps, elle est source d'espoir. Donc si tu, souffres, euh, si tu souffres maintenant, tu peux vraiment prendre la Bible au sérieux. Et te confier en Dieu. Donc, je t'invite à prendre au sérieux la Bible quand elle te dit Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, les fleuves ne te submergeront pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, tu ne te brûleras pas, la flamme ne te consumera pas. Mon ami, si tu souffres euh, en ce moment, ou plutôt si tu ne souffres pas, si tu ne souffres pas en ce moment, j'ai deux choses à dire. La première des choses, c'est euh, Regarde autour de toi. Regarde bien, regarde bien autour de toi et assurément, quelqu'un que tu connais souffre. Assurément. Donc, euh, avec amour, avec compassion, pointe, pointe cette personne à la personne qui peut les aider. Euh, et la deuxième chose que je veux te dire, si tu ne souffres pas en ce moment, Well, je ne veux pas être un prophète de mauvaises nouvelles, mais euh, oui, un jour tu vas souffrir. Un jour tu vas souffrir. Euh, d'une de, de, façon ou d'une autre, la souffrance trouve toujours le moyen de se pointer le nez. Euh, la souffrance est ce visiteur non sollicité. Cette visite qui reste toujours trop longtemps. Parfois, la souffrance donne des avertissements hein, de sa venue. Parfois, on peut voir arriver la souffrance. On la voit de loin venir, s'approcher, mais parfois à nous prendre court. Quand, quand, quand on parle euh, de quand on parle de la souffrance là, je vais vous amener à réaliser quelque chose, ok Vous savez, c'est parfois difficile pour nous de concilier la souffrance avec le fait que Dieu est souverain, euh, parce que quand on souffre... Mais bien souvent, on approche notre souffrance en mettant de côté le fait que Dieu est souverain. Et ça, ça a un impact bien plus grand qu'on le pense. Je vais vous amener à réaliser quelque chose ici. On ne fait pas que souffrir de la chose en question qui nous fait souffrir. On souffre également de la façon qu'on approche cette chose qui nous fait souffrir. Quand on approche... Ce qui nous fait souffrir, il faut comprendre que on vient pas les mains vides. Quand on, quand on approche la souffrance, bien souvent on met de côté une saine compréhension de la souveraineté de Dieu, et on amène avec nous un bagage plein d'expériences, plein d'attentes, d'idées préconçues, de désirs et d'intentions. Donc, tu ne fais pas que souffrir de la chose qui te fait souffrir. Tu souffres également de ce que tu amènes à ta souffrance. Alors quelqu'un pourrait dire, mais ben, ma mère m'a toujours dit que c'est ça qui arrive quand tu... Ouais, la, la personne amène quelque chose à sa souffrance. Des idées que sa mère a mentionnées. Quelqu'un d'autre pourrait dire, ben ok, 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 cette fois, je vais prier, je vais même jeûner, comme ça, ça va passer vite. Ou encore quelqu'un pourrait se dire, mais ben, là, ça ne devait pas m'arriver. Je fais attention. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi, pourquoi, pourquoi moi, je fais, je fais attention à ce que je mange? Je n'ai jamais fumé une cigarette de ma vie. C'est n'est pas supposé m'arriver. Quand euh, quand tu perds cette chose dans laquelle que, que tu avais confiance, puis ça peut être santé, argent, relation, là, okay, tu, tu ne fais pas que, que souffrir la perte de cette chose, tu souffres également la perte d'identité et de sécurité que cette chose t'amenait. Okay, là, là, je vais vous donner quelques exemples là, des choses qu'on amène à notre souffrance et, et qui nous font euh, souffrir euh, qui, euh, plus que nécessaire. Premièrement, premièrement j'aimerais vous suggérer qu'on amène une mauvaise théologie à notre souffrance. Que, que tu le réalises ou pas, tu amènes un système de réflexion bien développé qui façonne ta façon d'interpréter les choses qui t'arrivent. Non? Laissez-moi vous donner un exemple, OK? Euh, donc, quelqu'un pourrait dire, « Je souffre parce que Dieu me punit pour ce que j'ai fait. » Donc, non seulement tu dois vivre avec la souffrance, exemple une maladie dans ton corps, mais maintenant tu vis aussi avec une culpabilité et une honte parce que tu es convaincu que la maladie est une punition pour les mauvaises décisions que tu as prises. Et, et, et ça, ce que ça fait comme résultat, c'est que à la place de, de, de courir à Dieu dans tes moments difficiles, ben, tu as honte et tu te caches de lui, donc tu te caches de l'Église, et, et alors que c'est exactement ce que tu aurais besoin de lui, ce que tu aurais besoin. Vous savez, cette façon de, de penser trahit une théologie ou une compréhension pauvre de notre Dieu. Le, le message de la Bible, c'est que la honte, la culpabilité, la punition pour notre péché, mais Christ l'a subi à la croix. Donc, donc, non seulement il y a des gens qui souffrent, mais en plus, dans leur souffrance, ils s'écartent de Dieu parce qu'ils ont honte. C'est dur, ça. Je peux comprendre que. Les gens ne viennent pas à lui pour son aide, pour son réconfort, pour son appui, quand ils pensent que ce qui les arrive, c'est ce qu'ils méritent. Il faut, faut comprendre que la Bible n'interprète jamais la, la souffrance de cette façon. Je voudrais même vous dire que c'est carrément opposé. Là. Notre souffrance n'est pas reliée aux mauvaises choses qu'on a fait. La parole va plus, plutôt lier nos difficultés aux bonnes choses que Dieu travaille en nous. Et là, laissez-moi vous donner un autre exemple d'une mauvaise euh, euh, théologie et de son impact direct sur comment, euh, puis permettez-moi l'anglicisme, comment on deal avec notre souffrance. C'est Paul Tripp qui, qui a proposé plusieurs des points là que j'amène en ce moment. C est, c est, c est, cette mauvaise théologie, elle est associée directement à une mauvaise compréhension d'un verset en particulier qu'on trouve dans Romains 8, 28, qui nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu, de ceux qui sont appelés selon son saint dessein. » Donc, si vous êtes chrétien là, depuis quelque temps, euh, assurément, c'est sûr que vous avez entendu ce verset-là. « Toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. » hein? Hein? Euh, et, et, et ce verset-là est, est interprété par plusieurs comme une, comme une promesse que, que tout ce qui se passe, euh, tout ce que tu passes à travers, là, toute la, 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 la misère que tu vis euh, va, va, va finalement bien tourner ici-bas. Hein? Donc, donc cette interprétation-là amène plusieurs euh, à entretenir des, des, des attentes irréalistes de fin euh, heureuse euh, par rapport à quelque chose qui amène euh, de la souffrance. Mais, mais quand la fin heureuse n'arrive pas, mais ces gens vont penser que Dieu les a trahis. Et là ils sont déçus de lui et ils pensent que Dieu a failli à une promesse qu'il a faite. Donc là supposons que tes affaires là, ça allait bien, financièrement là, ça allait bien. Mais il y a un proche qui suite à un événement, il fait quelque chose et tu perds tes économies. Tu perds tes économies, tu te retrouves sans le sou. Et là, toi, tu t'accroches à, euh, à, à ton interprétation de cette soi-disant promesse. Toutes choses concourent au bien de celui qui aime Dieu. Donc tu te dis, ça va bien aller, ça va bien aller. Un peu comme notre société répé répétait là, durant la pandémie, là. Ça, va aller, ça va bien aller. Là, au début, tu es motivé. Tu es, 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 es motivé parce que tu, tu penses que, que, que comme Job, à la fin, là, ben, ben, tes finances vont, se, vont être restaurées. Ça va bien aller. Dans toutes choses qu'on au bien de celui qui aime Dieu. Euh, ok Trois mois Rien Six mois Rien Maintenant là, on est encore, on est encore au début et, et tu penses que si tu partages, si tu, si tu témoignes à ton petit groupe là et que tu déclares par la foi qu'avant longtemps, Dieu va relever tes finances, well, par la foi, ça va arriver certainement. Et là, tu persévères. Au début, tu pries. Mais après un an, c'est moins cute. Après deux ans, c'est vraiment moins cute. Et éventuellement, euh, tu t'éloignes du petit groupe, tu t'éloignes de l'Église parce que tu es déçu. Parce que tu es, es déçu, ton cœur se remplit d'amertume envers Dieu et tu t'éloignes tu, tu, tu de Dieu. Donc, non seulement tu souffres de la perte financière mais maintenant à cause de cette mauvaise interprétation là de cette mauvaise théologie tu te trouves à perdre beaucoup plus que l'argent que tu as perdu tu perds ta relation avec Dieu vous savez c'est un piège hein, de prendre un, un verset hors de son contexte j'ai déjà entendu dire, un verset hors contexte devient un prétexte. On peut faire dire n'importe quoi à un verset hors contexte. Mais vous savez, le bien là, qui est garanti dans notre passage, dans le contexte là, de ce fameux verset, hein, le bien qui est garanti, c'est notre rédemption, c'est notre salut. C'est ça, là, le contexte du verset. OK, je vais, aller, euh, je vais aller plus rapidement, mais voici autre chose qu'il est possible d'amener à notre souffrance et puis qui, en bout de compte, là, nous ferait souffrir encore plus. Donc, on vient de voir qu'on peut amener une mauvaise théologie. Deuxièmement, on peut amener euh, notre doute de Dieu. Vous savez, la, la souffrance, là, comme je l'ai dit, là, elle a sa façon bien à elle d'exposer ce qui est dans notre cœur, ce qui est vraiment, vraiment à l'intérieur de nous. Et, et, et les difficultés révèlent les vraies pensées et désirs. Ça révèle où finalement tu, tu mets ton espoir. Est-ce que ton espoir est vraiment en Dieu? Où tu remets en question sa présence, ses promesses, sa bonté, sa fidélité, sa loyauté, quand la souffrance frappe à ta porte. Si, si par-dessus la souffrance tu ajoutes le doute, je te garantis que ça va empirer ta souffrance. Ok, une mauvaise théologie. Le doute. Et maintenant, une troisième chose qu'on amène à notre souffrance, ce sont des attentes irréalistes de la vie. Vous savez. Il nous arrive parfois d'être surpris quand les choses changent. On pense que les choses devraient rester telles quelles pour toujours. C'est comme si on est surpris quand notre, notre corps commence à montrer des signes de vieillesse, quand, 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 quand des gens, là, des... on est surpris quand des amis nous déçoivent. On est surpris quand, quand il y a des épreuves dans le mariage. Mais frères et sœurs, dans cette vie, la seule constante qui nous est assurée, c'est le changement. Yeah. La, 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 la Bible nous dit qu'on vit dans un monde qui est corrompu. Donc oui, notre, nos, nos corps vieillissent, on n'est pas éternel, donc ne soyons pas si naïfs, là. sinon on, on va cultiver des, des attentes irréalistes, puis on va être, on va être vraiment mal préparé quand le changement et la souffrance vont venir s'immiscer dans notre vie. Donc, il est possible d'amener à notre souffrance une, une mauvaise théologie, le doute des attentes irréalistes de la vie et maintenant des attentes irréalistes des gens. On, on, on oublie parfois qu'on est entouré de pécheurs, des gens imparfaits. Vous savez, il n'y a, a personne, mais la personne la plus intègre et la plus pure et noble que tu penses, là, que tu es capable de t'imaginer, il n'y a personne qui a constamment des pensées pures. Il y, y a personne qui a constamment des motifs purs, même si tu entouré de chrétiens. Donc oui, oui, le pouvoir du péché a été brisé, mais la présence du péché est encore là. Donc ça, ça veut dire que oui, on est victime du péché des autres. Mais écoutez-moi bien, entendez-moi bien, ça veut aussi dire que les autres sont victimes de notre péché. Donc il faut arrêter d'amener à notre souffrance des attentes irréalistes. Hein? qu'on place sur les gens ça, ça marche ça marche jamais ça marche jamais lorsqu'on essaye de tourner une personne en notre messie en, en notre sauveur personnel ça finira pas bien si tu trouves ton identité en une personne ce c'est pas une bonne chose là qu'une personne donne un, un sens un but euh, à ta vie. c'est faux de regarder à quelqu'un pour avoir une paix intérieure Assurément, ça va, ça va mal finir si tu t'attends à ce qu'un autre être humain imparfait soit la source de ta joie, de ton bonheur. Même si c'est aussi cute qu'un bébé qui donne ta shot d'amour que tu as besoin. Parce que ce bébé va grandir, puis il va changer. On ne fait pas des enfants pour les garder pour soi. Il y en a, il y a un seul sauveur fidèle. Et, et personne d'autre. Autour de toi peut prendre sa place, personne d'autre peut faire ce que lui seul peut faire. Notre souffrance, là, elle ne fait que, que s'intensifier lorsqu'on élève des gens trop haut dans nos cœurs et que finalement et assurément, ces gens nous déçoivent. Et là, en passant, de, 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 depuis tantôt, là, j'enfile des, des, des choses qu'on apporte à notre souffrance et vous savez, c'est normal là, de, 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 de chercher une certaine sécurité, c'est une réaction instinctive, là. Quand quelqu'un tombe, la personne veut s'accrocher à quelque chose. Et je, je, je comprends que quand, quand ça va mal, on essaye de s'accrocher à quelque chose. Mais, mais comme la personne qui tombe et qui, qui s'accroche à quelque chose, parfois, là, les, les choses auxquelles on s'accroche, elles n'ont pas le pouvoir de nous stabiliser. Et encore moins de nous relever. Donc, je, je, veux, je veux prendre le temps de reconnaître ta souffrance, que oui, ça fait mal, ça va mal, ça fait mal. Mais mais je veux aussi t'inviter à regarder à, à, à ce à quoi tu t'accroches et t'amener à réaliser que la seule chose qui est vraiment bonne, vraiment solide, vraiment sûre, c'est Dieu. Hein. Le reste c'est chambranlant. Le reste le reste va nous décevoir. Euh, le reste n'a pas le pouvoir de me relever. Alors euh, alors on a vu qu'on qu peut amener à notre souffrance une mauvaise théologie, le doute des attentes irréalistes de la vie, des attentes irréalistes des autres. Et pour terminer, euh, souvent, on amène euh, le matérialisme. Et là, je veux bien me faire comprendre euh, ici. Hein? Quand je parle de matérialiste je ne parle pas d'être euh, constamment là, euh, à, à la recherche du prochain bien matériel et, et de, de remplir, euh, de loder euh, les cartes de crédit et là, puis, 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 constamment dépenser sur des futilités extravagantes. Là. Non. Euh, je parle euh, de quelque chose de plus sournois euh, que ça. La réalité, c'est que qu'on place une grande partie de notre sécurité sur, sur nos maisons, sur notre maison, sur, sur nos possessions, sur, sur notre santé, notre compte de banque, notre, notre travail, notre plan de retraite. Tout, tout être humain là, est à la recherche de sécurité. Quand on regarde à des choses pour notre sécurité et que ces choses font défaillance ou que ces choses sont retirées, on perd notre sécurité et notre bien-être. Donc bien souvent, bien souvent, on pense qu'on a foi en Dieu. On pense qu'on a foi en la souveraineté de Dieu, alors qu'en réalité, on a foi dans les choses qu'il nous a données et pas en lui. J'ai foi que ça va bien aller financièrement. Parce que j'ai de l'argent dans mon compte de banque, pas parce que je crois que Dieu est souverain, qu'il est Jéhovah à gérer celui qui pourvoit pour moi. Tu, tu peux te trouver à avoir foi que demain va bien aller, pas parce que Jésus euh, promet d'être avec toi, mais parce que tu te tiens en forme physiquement, puis que tu pries, puis que tu médites régulièrement. La réalité, c'est que bien souvent, on pense qu'on a de la foi. Et ce n'est pas faux. C'est simplement qu'on ne place pas notre foi en Dieu, mais plutôt dans nos possessions. Ou notre santé. Vous savez, la, la souffrance sera notre part parce que nous sommes imparfaits et on vit au milieu des gens imparfaits et notre monde, notre cosmos est brisé par le péché. Mais grâce à Dieu, on n'a pas à s'enfuir là de ce sujet. On peut, on peut regarder la souffrance en face parce que notre espérance est dans le fait que Dieu est avec moi. Dieu est, est, est en moi. Dieu est pour moi en ce moment. L'espoir. De la rédemption, n'a pas, pas seulement une portée éternelle. Mon espoir en Christ, à, 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 en vrai, elle est pour moi, elle est vraie pour moi en ce moment, ici bas sur terre. Les trois amis de, de Job, là, qui représentent les grandes pensées proches orientales de l'époque à propos de Dieu et la souffrance dans l'expérience humaine, n'ont pas pu assouvir les questionnements de Job. Le livre de Job ne répond pas directement au pourquoi de la souffrance. Le, 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 ce livre n'explique pas pourquoi des mauvaises choses arrivent à des bonnes personnes. Ce livre n'offre pas directement réponse à ces questions, mais j'ose dire qu'à travers ce livre, Dieu donne la réponse que Job a besoin Dieu donne la réponse que les gens qui souffrent ont besoin. Ce livre nous invite à regarder à celui qui est souverain. Regardez ce Dieu qui tient euh, notre monde dans le creux de sa main. Et le faire confiance quand nous sommes face à la souffrance, plutôt que, que d'essayer de comprendre le pourquoi. Ce livre nous invite à, à amener nos peines et souffrances à Dieu et faire confiance que Dieu nous aime et qui sait ce qu'il fait. Vous savez, Job a souffert. Job a souffert physiquement. Job a souffert physiquement mentalement et, et émotionnellement. Et, et, et je vous dirais spirituellement, Job là, est l'exemple humain par excellence de la souffrance. La souffrance de Job n'est pas euh, punitive, comme l'indique clairement le livre. On peut tirer de le, des leçons euh, de la souffrance de Job. Le, le, nouvel, le Nouveau Testament fait référence à, à lui comme étant un, un, un exemple de patience. Au milieu de la souffrance, le, le Nouveau Testament nous parle également d'un autre homme qui a souffert et cette fois-ci au bois du Calvaire. Dans Isaïe 53, la Bible nous donne une prophétie sur le Messie à venir et nous dit ceci de Jésus il était méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Et comme Job, Jésus n'a pas la souffrance de Jésus n'a pas été une rétribution de ses actions. Vous savez, à bien des égards, là, on peut comparer la souffrance de ces deux hommes, la souffrance de Job et de Jésus. Comme Job a clamé son innocence, lui, Jésus, était parfaitement innocent au milieu de ses souffrances. Le livre de Job, là, ne nous porte pas à croire que Job a souffert à cause de ses péchés. Jésus n'a pas souffert à cause de ses propres péchés. Donc oui, hein, on voit que la souffrance de, du Christ euh, sur la croix peut être comparée à celle de Job. Mais il y, a, il, y a, il y a des différences cruciales entre ces deux souffrances, entre la souffrance de Job et la souffrance de Jésus. La, la, la souffrance de, de Job n'offrait pas le salut à l'homme, hein la souffrance du Christ sur la croix, elle, elle était salutaire, rédemptrice. La mort du Christ sur la croix fournit l'expiation euh, euh, des péchés. Par la mort de Jésus à la croix, notre réconciliation avec Dieu a lieu. La différence est aussi que Job était un souffrant innocent qui n'avait pas choisi sa souffrance, alors que Jésus était un souffrant innocent qui avait choisi souffrance et sa souffrance était volontaire sa mort sur la croix pour nous était un choix motivé par son amour c'est le théologien et prédicateur Christopher Ash qui va dire quelle que soit la profondeur de nos souffrances il est peu probable que notre expérience puisse refléter celle de Job nous n'avons pas été aussi grands que Job, ni aussi déchus, ni aussi heureux, ni aussi seuls, ni aussi riches, ni aussi pauvres, ni aussi pieux, ni aussi solitaires, ni si maudits. Mais Job, dans sa vie extrême à bien des égards, n'est en fait que l'ombre d'une réalité plus extrême encore, celle d'un homme non seulement irréprochable, mais sans péché, qui n'était pas seulement le plus grand homme d'une région, mais le plus grand être humain de toute de l'histoire, et qui s'est dépouillé de toute sa gloire, qui s'est incarné et est descendu jusqu'à la mort dégradante, nue et honteuse sur la croix. Son parcours l'a conduit de la communion éternelle. Avec le Père à la solitude la plus totale sur la croix. L'histoire de Job est l'ombre de la grande histoire de Jésus-Christ. Fin de la citation. Alors, chrétien, si on te pose la question, est-ce que Dieu se soucie du mal et de la souffrance Alors, mon ami pointe à la croix. Dieu, Dieu se soucie du mal et de la souffrance au point, au point d'envoyer son Fils unique mourir pour l'irradier. Donc, la croix, elle est notre réponse. Donc, toi, toi qui souffres, ta réponse se trouve à la croix. La croix nous montre jusqu'où Dieu est capable d'aller par amour pour nous. Vous savez, à la croix, on voit on voit la souveraineté de Dieu. Un des exemples, c'est que jusqu'au dernier souffle de Jésus, on voit la souveraineté de Dieu. Le texte nous dit que c'est Jésus qui a remis son esprit. Hein? Et. Je ne sais, je, je, je sais pas comment l'expliquer. Je ne sais, sais pas pourquoi. Mais, mais quand je regarde à sa grandeur, à sa sainteté, quand je contemple, je ne sais pas comment vous le dire ni comment vous l'expliquer, mais c'est comme si tout reprenait place. Semble-t-il que bien souvent, la réponse à la souffrance est de le regarder, de le contempler. Expliquez-moi pourquoi quand, quand je rends visite à des gens qu'ils soient malades ou encore à l'hôpital. Les, les chants qui réconfortent sont des chants qui pointent à la souveraineté de Dieu. Des chants comme, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es Dieu. Des chants comme Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. De, 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 de gloire, Dieu, Dieu tout tout ton pouvoir. De, 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 de mène. Dieu mène Job à contempler sa grandeur. Et on voit ça ailleurs dans les Écritures, c'est ce que le psalmiste fait dans, les, dans plusieurs des psaumes, c'est ce que plusieurs euh, chants qu'on chante nous font faire, contempler la grandeur de Dieu. Donc, mon ami, contemple, contemple la grandeur de Dieu et on pourra répondre comme Job Je suis peu de choses. Que te répliquerai-je Je mets la main sur ma bouche. Dernièrement, euh, je termine ici. Ma femme avait un souci euh, et elle est venue me voir et m'a dit, Ralph, euh, j'ai lu le psaume 46 et ça m'a fait du bien. Alors permettez-moi de, de terminer avec la lecture du psaume 46 qui va comme suit. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Et que les montagnes chancellent au milieu des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secours dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, sa voix et la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance. Il a consumé par le, le feu les chars de guerre. Arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Que notre Seigneur puisse être votre haute retraite. C'était la parole pour aujourd'hui. Si tu veux en savoir plus sur Jésus ou sur l'Église, je t'invite à nous écrire à portail.com et un membre de notre équipe va te répondre le plus vite possible. Et c'est valable pour toi aussi, si tu vis des défis, des souffrances ou si tu as une requête de prière, n'hésite pas, écris-nous, on va prendre du temps avec toi. Euh, en terminant, on voulait juste vous remercier. Merci pour votre générosité. C'est grâce à vous que l'Église est capable de faire tout ce qu'elle fait, d'être tout ce qu'elle est. Alors euh, merci de participer à faire avancer l'œuvre de Jésus. Si vous ne savez pas comment donner, euh, vous pouvez le faire via votre institution bancaire ou en nous écrivant à dons-at-église-leportail.com. Sur ce, merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite une très bonne semaine et à la semaine prochaine.